sie mir zum ersten Mal als unbekannter Eiserer diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen. L'Annenerbe, société d'occultisme et ésotérisme créée en 1935 par Heinrich Himmler, chef de la SS. Cette société secrète avait pour objet l'étude archéologique, l'anthropologie raciale et l'histoire culturelle de la race aryenne. Otto Rahn, écrivain et archéologue, fut envoyé en France au château de Montségur par Heinrich Himmler pour rechercher le Saint Graal, la coupe qui recueillit le sang du Christ. Les nazis étaient persuadés que s'ils le retrouvaient, les armées d'Hitler seraient alors invincibles et pourraient étendre leur idéologie dans le monde entier. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo spéciale, on est sur les hauteurs du château de Montségur. Voilà, donc nouvelle série qui est en train de naître. On est venu ici puisque le château de Montségur a beaucoup de légendes depuis des siècles, depuis les cathares. Voilà, qu'on appelait les parfaits. Ces parfaits-là, qui, sous l'appel de 1903, qui est parti en croisade, en fait, pour lui, contre l'hérésie cathare, voilà, puisque les cathares, en fait, ils mettaient en avant une idée dualiste de la création, en fait, qui opposait deux mondes, l'un bon et l'autre mauvais. Voilà, donc, en fait, ils exécutaient en fait comme Jésus en fait la pauvreté, donc en fait à l'encontre de la religion catholique. Innocent III a fait appel dans toute l'Europe
pour monter une croisade, pour partir en croisade contre les Cathares. Voilà. Et nous, on se retrouve à Montségur avec un siège de 10 mois et tombé en 1244, donc au bout de 10 mois de siège. Et donc, c'est l'un des plus grands remparts en fait des Cathares. Et soi-disant, il y aurait deux ou trois parfaits avant la prise du château qui seraient partis, qui seraient descendus du château dans la nuit, certainement. Et on ne sait pas dans quelle direction ils sont allés. Quoi qu'il en soit, la légende dit qu'ils auraient eu le trésor. Voilà, le trésor des Cathares. On ne sait pas de quoi il est composé. Peut-être qu'il s'agissait du Saint Graal, peut-être de la pierre philosophale. Quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse, c'est partir sur les traces d'Otoran. Cet homme, c'était. Alors, Otoran, c'était un écrivain à l'origine, archéologue et surtout un autodidacte. Voilà, donc, le chef de la SS, Heinrich Himmler, a fait appel à lui pour venir ici et, en quelque sorte, pour rechercher le Saint Graal, tout simplement, puisque Hitler s'imaginait dans sa tête que si jamais il trouvait le Saint Graal, ses armées seraient invincibles. Et ce mystérieux Otoran faisait partie de l'Annenerbe. L'Annenerbe, c'est en quelque sorte un ordre religieux, un ordre d'occultisme qui a été créé par le chef de la SS, donc Heinrich Himmler, pour s'intéresser tout ce qui est voilà l'occultisme, l'histoire, le paranormal, tout ce qui peut pas être expliqué en quelque sorte, et donc ses recherches archéologiques aussi. Fondé et non fondé. Voilà, donc là on se retrouve sur cette recherche archéologique que Otoran est venu ici. Donc le but c'est de partir sur ces traces. Hein. Voilà, et comme d'habitude de voir ce qu'on peut trouver d'intéressant après 800 ans d'histoire, hein, même plus, puisque ce mont, voilà, ce roc. Date d'après ce qu'on peut dire, d'après mes recherches, de l'homme de Néandertal. Voilà. Ensuite, il y a la partie médiévale, et donc ce qu'on connaît, nous, c'est au niveau des Cathares. Voilà. Donc on va essayer de faire en sorte de trouver la direction et de rechercher les traces d'Otoran. Ça serait super de retrouver ces traces. Voilà, donc je vous amène avec moi. Pour l'instant, on fait que explorer, se mettre dans l'ambiance du site. Voilà, et sans détecter pour l'instant, on va descendre, on va faire tous les rocs qu'il y a tout autour, en contrebas, et tout en explorant, tout en détectant. On verra bien ce qu'on trouve. J'espère que cette série vous plaira. J'espère qu'elle sera pleine de rebondissements. Et c'est parti. Allez, c'est parti, on monte au château. Le château est là-haut. Allez, c'est parti. Ça correspond ça. Stèle dressée par la société. Destinée
Qatar. Printemps 1360. Allez, on se dirige vers le château. C'est parti. On est bien à l'ombre là, c'est parfait. Le château de Montségur. On a toujours la forêt de buis. Là, on va sortir des forêts. C'est parti. Il y a le chemin qui sort des sentiers battus. Donc du coup, regardez, on continue et le chemin continue clairement. On pourra le prendre plus tard. Voilà, je pense qu'il amène, voilà, là il y a une carrière là-bas. On va vous montrer ça de suite. Je vais vous montrer ça de suite. Hop. Effectivement. Voilà. C'est un chemin qui sort du chemin d'origine. Le château est là-haut. Et le chemin à faire. Donc nous on va au château, c'est parti. Allez, on avance. Allez, on est presque arrivé au château. Il est là-haut. Montségur. Le voilà. Allez, c'est parti. Voilà ce que vous voyez les Qatars. Il y a 800 ans. La montagne là-bas. Les rocs. Et là, on a la ville. Le petit village de Montségur. Hop. Ce qu'on pourra faire, on pourra aller voir effectivement le cimetière, pour voir les tombes qu'il y avait. Éventuellement, s'il y a des tombes qui sont vieilles. Souvent, dans les vieux villages comme ça, on a des tombes très vieilles ou des vieux cimetières directement. Donc, on va aller voir ça. Regardez-moi ce paysage. Donc, la vidéo, cette série sera basée sur Montségur, sur les traces d'Otoran.
Là, il y a la falaise. On a des ronces partout. Donc ici, ça va pas être possible. On continue. On a une plaque ici. Terre arabée. On a les murs là. Et là, il y a une plaque. Hop. Alors, c'est qui ça? Au poète Maurice Magère, je sais pas quoi, en souvenir des œuvres qu'il a consacrées à la glorification de Montségur, 1877-1941. Il a le même faciès, c'est bizarre, que Cotoran. C'est quand même étonnant. Allez, on va pas tarder. Arrive au château. Il est là-haut. On voit déjà la tour. Et là, regardez les murs. Regardez ça. Allez, on continue. Allez, c'est parti, on continue. Là, on est en contrebas du château. Et pour l'instant, je ne situe pas où est-ce qu'il y aurait eu le bûcher. Quand, en fait, les cathares se sont rendus, quand le château a été pris. À mon avis, le bûcher, il s'est fait au niveau des vaches ici. Là où il y a ces hauteurs-là, je crois. Après, je ne suis pas certain, il faudra que je regarde sur la photo, puisqu'il y a une photo qui l'indique. On verra ça. Regardez-moi ce paysage. Magnifique. Et le château, on y go. Regardez. Allez, c'est parti, on y monte. Ça y est, on y arrive. Ouais, 10-35 minutes, mais franchement, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, parce qu'en fait, le siège, d'après ce qu'on sait du château, le siège aurait duré 9 mois. 9 mois de siège pour prendre ce château, le dernier rempart cathare. Et la légende dit qu'il y a deux ou trois parfaits qui seraient descendus pour emporter le Saint Graal. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On va essayer de voir par où éventuellement il serait parti et les paysages qu'on a aux alentours. Allez, on continue. Voilà. Ça y est, on est devant le château. On va rentrer. Regardez-moi ça. Je ne sais pas s'il y a une autre entrée de l'autre côté, si c'est l'entrée principale. Quoi qu'il en soit, celle-ci n'était pas grande. Et là où on a la tour, les restes de la tour. Allez, c'est parti. Je vous amène avec moi.
Effectivement, sans l'escalier, on ne peut pas monter. Regardez-moi ce paysage magnifique. C'est ce qu'il voyait à l'époque. Alors, il y a un chemin qui fait le tour. On va ou prendre ce chemin ou alors directement rentrer dans le château. On va directement rentrer. Allez, c'est parti. Regardez ça. Waouh. On arrive dans le château. Waouh. Ouais, donc là il y a. C'est dommage qu'il y a ça. Effectivement, c'est pas ce qui peut. Voilà. Il peut y avoir des chutes de pierre. Le filet n'y était pas avant. Regardez ça. On va essayer de se mettre à l'abri de la lumière un peu. Et là, il y a une autre entrée, certainement le chemin qui continue, qui faisait le tour. Donc là, on a l'ancien escalier. Apparemment, on pouvait y monter avant. Là, c'est plus le cas. C'est dommage. Est-ce que c'est costaud ça? Oh. C'est. Quelqu'un est venu camper ici. Ouais, ça fait plaisir d'être là parce que depuis le temps que je voulais venir ici, franchement, quand on sait l'histoire qu'a ce château. Regardez-moi ça. Alors pour l'instant je filme et je vais prendre plein de photos que vous pourrez suivre sur mon compte Instagram. Regardez ça. Et certainement en fait que cette partie-là rejoignait la tour, était aussi grande. Et la tour bien évidemment, voilà, montait beaucoup plus haute hein, à l'époque. Et là on a les trous. En quelque sorte, l'emplacement des vieilles charpentes d'un côté, de l'autre. Puisque il faut s'imaginer qu'en fait le château c'était, voilà, la partie principale était en pierre et après l'intérieur était tout en bois. Accès rempart interdit. Depuis 97. Ouais, donc cette partie est interdite à. Bon, certainement qu'il y a eu des accidents et voilà. Même si elle a rambarde. Voilà, c'est quand même dangereux d'y monter. C'est dommage. Ah, travaux de sécurisation en cours. Donc voilà, ils sont en train d'arranger les escaliers. Ça c'est bien, comme ça on pourra y monter plus tard. Hop. Et nous, on va aller. Par ici, pour voir ce qui se passe. Oh. Ah merde. Oh putain.
On a carrément. Bon, on a du brouillard, on peut pas voir la vue. C'est pas possible. Faudrait y revenir quand le temps sera dégagé. En même temps, c'est pas plus mal. Puisque on peut s'imaginer à l'époque par où ils seraient passés. Et effectivement, s'il y avait un brouillard comme ça, personne ne les voyait. Ouais, donc à mon avis, ils seraient descendus par là. Hop. Et ils seraient passés par ici. Tout simplement. De la tour, par l'arrière du château. Là, on vient d'ici. Regardez. On peut continuer. Regardez-moi ça. On a carrément un brouillard. Carrément de la brume. Hein. Mais ça me conforte dans l'idée qu'en fait, s'il y a autant de brume ici, c'est que tout ça, il y a éventuellement des grottes qui se cachent dans le coin. Et on va essayer de les trouver. On continue le chemin là. Alors, on va faire attention puisque finalement il y a la brume. Voilà, le chemin continue là-bas. Ça glisse énormément, hein. Les pierres sont tellement, regardez, les pierres sont tellement lisses, polies, que, et pourtant elles ne sont pas du tout humides, mais elles glissent énormément. Donc il faut faire très attention à ça. Voilà, on continue sur le chemin, on va voir ça. Punaise. Alors là, je vous dis pas, en hiver, quand ça glisse. Regardez, dès qu'on s'éloigne un petit peu du château, il se confond avec la montagne. À l'époque, on ne devait pas le voir du tout. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, quand on regarde sur l'application, le château n'est pas totalement en haut de la falaise. Est-ce que c'est une erreur? Puisque là, pour moi, il est tout en haut. Magnifique. Magnifique, magnifique. On a une partie qui continue là-bas. On dirait un vieux chemin. On va aller jeter un coup d'œil pour voir. Ouais, ça redescend ici. Là, regardez où est-ce qu'on est. Donc là, au niveau. On est un petit peu. Je suis un petit peu en contrebas. Et on va essayer de voir. Là où les touristes ne vont pas habituellement en fait. Donc on va voir ça. Allez, là on explore un petit peu du côté. Du château, mais en aval. Vous voyez,
Voilà. Bon, le chemin remonte. Et là, ça continue là-bas. Bon, c'est plein d'orties. Mais bon. Pour l'instant, on ne fait qu'explorer aujourd'hui. Là, on a toujours les traces de ruines ici. Hop. Oh. C'est rempli d'orties quoi. Ouais, il y a un passage là. On fait attention quand même. Hop là. Tomber sur dans un trou. On continue là, regardez, on a des murs. Hop. Hop. Et ça continue en bas. On va aller voir. De toute façon, ils sont bien descendus quelque part. Si réellement ils sont descendus pour fuir leur assaillant, ils sont bien passés quelque part. Wow. Regardez-moi ça. On va passer. Hop. Ça descend de la montagne en fait. Je sais pas si ça descend totalement, mais ouais, c'est carrément un chemin. Un ancien chemin, mais ça redescend quoi. Regardez, on le voit très clairement ici. Donc on continue, on va un petit peu fouiller ici. Enfin, fouiller, non. Explorer aujourd'hui en l'occurrence. Hop. Pour voir si réellement on trouve des choses intéressantes. Hop.
J'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas. Je vais aller voir. Là, vous voyez, on se retrouve vite perdu en aval du château avec des roches partout. Et là-bas, ça descend. On va essayer de voir. J'essaie de voir visuellement si. Je vois forêt de hêtres, regardez ça, magnifique. Si je vois des papiers par terre, pour l'instant c'est pas le cas. Je sens une odeur bizarre quand même. Allez, on continue. Regardez où est-ce que je suis. Donc là c'est une forêt de hêtres, magnifique, regardez. Là, je suis sur un contrebas du château et je suis voilà. Je descends, j'essaie de voir au loin ce qu'il y a, si je vois des rochers, un roc. J'essaie d'être vigilant visuellement pour commencer, m'imprégner en même temps du lieu et on continue. C'est parti. Alors là, on n'entend plus rien. C'est quand même étonnant. Puisque le village n'est pas non plus énormément loin. Mais quand même, il y a la montagne qui coupe le bruit. Alors là, pour une fois, je détecte pas. Pour l'instant, je fais qu'explorer. Hop. Je me familiarise avec le, avec l'endroit. De toute façon, je l'ai pas pris au cas où. Mais j'aurais dû, puisque là, ça me manque un peu, j'avoue. Mais de toute façon, il y a la forêt qui continue, mais quand on regarde sur le sur l'appli, c'est la falaise abrupte en fait. On voit carrément la brume ici, au loin. Donc je pourrais pas continuer plus loin, il va falloir que je remonte. Mais déjà, je vais aller voir ce qui se passe en contrebas. Ouais, l'environnement, où est-ce qu'on est. De toute façon, tout à l'heure, on va remonter les champignons. On va remonter vers le château. Et le but, c'est, puisque c'est un roc à part entière, hein, le but, c'est se faire ce roc entièrement et voir de nouveau si on trouve des choses intéressantes. Surtout l'histoire que ça a ici. Il y a une histoire énorme de ces fameux, de ces mystérieux parfaits qui seraient partis, descendus du château. On dirait un plat ici, regardez. On dirait, par contre, alors, il y a un chemin ici, comme s'il formait des rigoles en quelque sorte. Des balcons pour faire leur culture ici, certainement, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, on peut trouver des choses intéressantes. Et là, ouais, on va aller voir par là. J'essaie en même temps de retrouver des murs pour voir si à ce niveau-là, il serait descendu en fait. Après, depuis 800 ans,
mais on a quand même une certaine humidité. Et si c'est ce qui me met un petit peu la puce à l'oreille, comme toujours, alors je fais attention de ne pas tomber dans un trou. Peut-être une grotte, hein, tout simplement, où ils auraient pu se cacher. On dit toujours si on pouvait remonter le temps, mais je pense que à l'époque, ça ne devait pas rigoler. Avec des milliers d'hommes qu'il y avait. Et on va essayer de voir après où est-ce qu'il y avait le bûcher, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Là, on dirait que je vais avoir un point de vue. On va voir. Il y a des pierres partout. C'est un truc de dingue. Regardez, là je récupère des murs un peu, ici, je récupère des murs, regardez, donc, hop, voilà, on récupère des murs ici, bon là on le voit clairement, on voit clairement que c'est des murs. Hop. En 800 ans, les choses changent. On ne peut pas s'imaginer à quel point. On va aller vers là-bas et on va voir. Et regardez, là, ici, là. Ça pour moi, c'est des murs. C'est des murs qui, toujours pareil, délimiter un chemin à prendre, et ce chemin devait certainement descendre d'abord. Je vais aller voir ici. Ah, il y a autre chose ici. Il y a des traces rouges là, ici. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Si quelqu'un dans les commentaires peut me dire à quoi ces traces rouges correspondent, ça serait bien sympa. Hop. Ouais, bon là, après là c'est la falaise, on va pas s'y amuser. On va aller voir ça. Bon, on continue et on va bien voir ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. Bon, là, je me suis éloigné du château. Je descends. Je vois la pierre qui est creusée. Et j'essaie de voir s'il y a une grotte, mais pour l'instant, il n'y a rien. Je pense qu'il faut que je descende plus en contrebas. Des rosiers sauvages. Bon, oui, là je suis. Dans la carrière. Dans une sacrée carrière en fait. J'essaie de voir si je vois quelque chose. En plus, j'ai pas pris le détecteur, donc du coup,
Je ne peux pas me faire un ordre d'idée si je vois quelque chose, si je détecte quelque chose du moins, parce que je ne l'ai pas pris. Donc, on va remonter. Et voilà quoi. Ouais, ces petits renfoncements. Voilà, je suis vigilant par rapport à ça. Mais bon, là, on le voit très clairement. C'est un roc ou un aval. C'est sûr qu'on va trouver des grottes. Sûr, 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 sûr. Bon, on remonte. C'est parti. Chelou. Écoute, tu veux que je monte, Gilbert? Une grotte ou quoi? C'est quoi ces pins? Putain! Vous voyez, connement, hein? Connement là! Je trouve un endroit bizarre là! Mais vraiment bizarre. Il faut que je revienne détecter ici là. Parce que là, ça me tracasse. Là, ça me tracasse. Regardez les trous dans la pierre là. Et là, il y a une partie d'herbe là-bas. Ouais. Je vais notifier l'endroit là. Puisque quand même, vous voyez, on arrive. Regardez les trous qu'il y a. Il y a une entrée quelque part ici. Regardez. Regardez comment les rochers sont formés. J'essaie de voir si s'il y a une croix gravée, quelque chose. Regardez. Ouais. Ouais, c'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre. Ouais, il faut que je vienne détecter ici, là. On dira les feuilles. C'est quand même étonnant. On va aller au niveau de là-bas. On va voir ce qu'il y a. Je vais noter l'emplacement. Et on verra bien. C'est parti. Putain. C'est chaud là. Et là, il y a une terrasse. Ah putain.
Là, on fait le tour du chemin qu'on voyait tout à l'heure. Les terrasses descendent jusqu'en bas. Là, il y a d'autres terrasses. Regardez ce que je trouve là. On va pas rigoler pour monter. Regardez. C'est pas possible que ça fasse. Et là, c'est une vieille forêt. On va à flanc du roc. En bas du château. C'est parti. Donc là, j'ai trouvé un passage. En fait, quand on explore à peu près les environs, on se rend compte que le château n'a pas été construit pour rien à cet endroit-là. En fait, tout autour, le roc à lui-même, c'est carrément la falaise abrupte. C'est impossible de chaque côté de monter jusqu'au château.
Sauf que moi, j'ai trouvé un passage qui va m'amener à flanc, voilà, à flanc de ce roc. Et mon but, voilà, c'est voir ce qui se passe à flanc de ce roc. Mais à mon avis, il n'y a aucun passage pour monter jusqu'au château, à part bien sûr le passage pour visiter le château à lui-même. Voilà, quoi qu'il en soit, on va essayer de voir ça. Je vous amène avec moi, c'est parti. Alors, regardez. Un vieux chemin. Regardez. Pareil que la dernière fois. Il y a beaucoup de chemins comme ça qui sont complètement oubliés. Je ne sais pas depuis quand ils datent. Il n'y a aucune peinture sur les arbres. Quoi qu'il en soit, regardez. Voilà. C'est assez dégagé. Pour l'instant, j'ai rien détecté dessus. Mais on va monter et le roc se trouve là-bas. Donc on va essayer de voir. Et j'espère qu'on aura de la chance. C'est parti. À mon avis, ça c'est pas naturel. On dirait une pomme. On dit ah! Il y a une caisse de résonance là. Oh, putain, le roc est juste là. Le blanc que vous voyez en face. Allez, c'est parti. Je suis arrivé à flanc de roc. Excusez-moi, là, je... Très, très compliqué pour aller là. Très compliqué pour y aller. C'est vraiment... Certainement qu'à l'époque, les croisés ont dû envoyer des hommes pour essayer de voir s'il y avait une faille dans le roc. Mais... On va essayer de monter. Tant qu'à faire, de toute façon, tant qu'on y est. On continue de monter. Et pareil, tout en essayant de... Voilà. De trouver une grotte. Détecter quelque chose à flanc. Puisque forcément, s'il y a quelqu'un qui est passé ici, il l'a perdu à flanc. Je vous montre ça de suite où est-ce que je suis. Donc je vais vous montrer où je suis. Vous allez voir à quel point cet endroit est escarpé. Très compliqué, c'est parti. Voilà. Regardez où je suis. Voilà. Et le château est en haut. Ça y est, on est sur une piste. Regardez. Regardez, c'est du fil de fer. Il y a du fil de fer ici. Bon, c'est où je monte, où je descends, quoi qu'il en soit. On va essayer de voir par là. Allez, c'est parti. Là, c'est... Ah bah là, je tombe de cul. Parce que vraiment... On va aller voir de suite ce que c'est. Je l'ai bougé. Regardez. Un clou de l'époque. Est-ce que vous arrivez à m'expliquer ce qu'un clou de l'époque fait là?
Et je vous le garantis, c'est vraiment à flanc du roc du château. Mais quand vous voyez le roc, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Montségur. Mais attention. Compliqué. Donc, y a des gens qui sont venus ici. Donc, on va fouiller. Oui, c'est à peu près là. C'est toujours pareil, hein, c'est à peu près la même configuration. Hein. La même configuration, c'est des rocs. On a toujours des buis et des hêtres qui sont ensemble. Voilà, qui sont mélangés. Et allez, c'est parti, on continue les mecs. Confirmation. La ferraille est toujours présente ici. Donc logiquement, c'est en montant, c'est parti. Je vois un renfoncement là. C'est un renfoncement, mais pas une grotte. Va essayer de détecter un truc peut-être. On va voir. Non, c'est moi qui... C'est moi qui bouge. Alors, excusez-moi, je suis vraiment, vraiment fatigué. Oh. Fatigué de chez fatigué. Il fait très chaud, très, très lourd aujourd'hui, encore une fois. C'est compliqué. C'est un chaud, c'est une chaleur très humide. Puisque bon, demain ils ont prévu de la pluie apparemment. Non, là il n'y a rien. On continue. Je vais repasser un coup vite fait. Il semblait qu'il y avait un truc là. Et sous ces pierres. J'enlève les pierres, vous voyez, comme celle-là. Hop. On ne sait jamais. Non. Ça peut pas marcher à tous les coups, bien sûr. Bon, on continue à monter. On va voir. Alors, on y va tranquille, hein, toujours pareil. En détectant de la ferraille. Alors quand vous passez votre temps, il y a un truc aussi là-bas je crois, c'est bizarre. Quand vous passez votre temps à monter, c'est pas du tout évident. Faut rester concentré et voilà quoi. Fait un autre renfoncement. Ça commence. Un autre renfoncement. Et bon, après, en même temps, ce qui me motive, c'est vous. Hein. Vous le savez, que ce soit avec mon collègue, là, je vois un truc aussi là-bas. Que ce soit avec mon collègue, mon petit homme et moi-même, vous faites le... Ah, regardez. Regardez, regardez. Quatre-vingt-quinze, c'est les... Ah.
Alors c'est où? C'est une de ces pierres là ou alors c'est celle là c'est dessous. Ouais, c'est dessous. Alors c'est vous qui faites la chaîne, hein, de toute façon, hein. C'est vous les abonnés, c'est vous qui faites la chaîne, donc respect avant tout. Et puis franchement, on forme une bonne petite communauté, je suis très très content de ça. Oh. Allez, je sais pas si c'est le piolet ou... C'est celle-là qui sonne ? Je vois pas là. Alors, il y a une pierre qui sonne, je sais pas laquelle. On va en prendre une. On va la mettre dessus. Comme ça. Et on va vite le voir laquelle sonne. Non. Ah, c'est quand même étonnant. Est-ce que ça serait ça? Ah, c'est possible que ça soit ça. Je sais pas si vous vous rappelez un genre de pierrite. Pierrite hématite. Alors, hop, regardez. On va voir de suite. À mon avis, c'est ça. Voilà. Ben encore une pierre qui sonne, hein. Je sais pas, on dirait une météorite, je sais pas. C'est quand même bizarre. Alors si le, on va voir le pointeur. Si le pointeur réagit, c'est pas une météorite. Voilà, vous voyez? Et pourtant il est allumé, regardez. Hop, je vais vers ici. Voilà. Je m'approche du téléphone. Voilà. Et là, il ne réagit pas. Donc c'est où une hématite ou une pierrite, vous me le direz en commentaire, ou une petite météorite. Mais ça conforme encore que je faut que je monte. Très compliqué d'y aller, mais une fois qu'on y est, après, c'est bon. Allez, on continue. Ouais, regardez. Juste à côté de la pierre. La pierre, on l'a creusée ici. Et là, il y a de la ferraille. On continue. Il y a toujours le même renfoncement. Après, ça m'étonne que les croisés de l'époque soient venus ici quand même. Je sais pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est des... C'est des noisettes. Hein. Ouais. Il y a des petits... C'est des petits noisetiers, ça, oui. Je vais vous montrer les feuilles. Alors, on le confond des fois avec le tilleul. Effectivement. Il ressemble un peu. Mais bon. Hop. Alors, est-ce que... Oh, punaise. Là, c'est orange, orange, orange. C'est mystérieux ici, là-bas. On va voir ça. Je détecte à flanc, comme ça, toujours pareil. Pour se faire un ordre d'idée. Hop. J'ai entendu du bruit. Alors regardez. Noisetier. Voilà. Petit noisetier. Donc, dit noisetier, dit sanglier. Donc, on va être prudent. Hop. Je sais pas si c'est un roc qui s'est écroulé, mais c'est chaud là. Allez, on continue, c'est parti. On commence à voir des trous dans la roche. Ce qui me conforte dans l'idée à chaque fois
qu'on est peut-être pas loin d'une grotte. Cette pyrite ou hématite, je pense plutôt que c'est de la pyrite. Parce que l'hématite, vous me direz ce que vous en pensez, mais elle est un peu plus lisse, il me semble. Au lieu de monter, il faudrait que je descende en fait. Bon, on va voir. On va la faire ici, regardez. Et là, ça va en haut, mais c'est un cul-de-sac. Je comprends pas. Il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de cavité. À moins que le triangle que vous voyez là, c'est une petite entrée, j'en sais rien, on va aller voir vite fait. Sinon, je vois pas. Allez, c'est parti. Ça sonne là. Bon, on va voir ça. Oh, ce que c'est. Si c'est en surface ou pas, vu où c'est... Bon ben c'était rien. Toujours un vieux clou de l'époque. On continue. Regardez ce que j'ai trouvé. Un jarre d'aven. J'essaie de voir s'il y a une croix ou quelque chose. Ça continue pas loin, je pense pas, mais en tout cas peut-être que j'y arriverai à descendre par là. Je dis bien peut-être, il me semble que je vois un truc là, un truc brillant. Je vais essayer, mais c'est chaud. Et là, regardez. Hop, je range ça. Et là, regardez ce que je vois. Des murs. Regardez. Je vois des murs. J'avais pas calculé au départ. C'est bien des murs. Il se peut qu'ils soient venus ici lors de leur fuite. Et par contre, il y a un truc qui me tracasse. Hop, regardez. Sur les rochers. Regardez. On voit, tac, 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 un triangle. Je vais le prendre en photo, ça, parce que ça me tracasse. Bon. Je crois savoir si jamais les cathares ont fui par derrière.
Je crois savoir où ils sont allés pour redescendre la montagne de l'autre côté. Voilà. En fait, le roc n'est pas complètement sans faille. Il y a une petite faille où on peut monter. Et en fait, si je continue à monter ici, j'atterris au sommet, au château. Voilà. Donc, si moi je l'ai fait, les cathares l'ont fait, voire même les croisés, si jamais ils ont trouvé cette faille, en quelque sorte, ils ont envoyé des hommes pour attaquer par derrière les cathares. Donc, c'est les croisés qui sont passés par là, ou les croisés, donc, ou les cathares. À vérifier s'il y a des échos, s'il y a des écrits comme quoi les croisés ont attaqué par derrière. Certainement, ils ont encerclé le château. On peut se dire qu'ils étaient des dizaines de milliers d'hommes. Voilà, donc peut-être pas des centaines, mais des dizaines. Il y a peut-être 20, 30 000 hommes, je ne sais pas exactement. À vérifier aussi. 9 mois, donc 9, 10 mois de siège, ça fait pratiquement un an, c'est énorme. Donc, voilà, c'est à se poser la question. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à trouver une faille de la montagne où on atterrit, c'est quoi ça? Où on atterrit directement au château. En fait, j'ai suivi, j'ai essayé de trouver une autre sortie ou une autre entrée de cet aven. Voilà, j'ai pas réussi pour l'instant. On va y revenir si on détecte quelque chose. On va faire le tour et on va redescendre de cette faille et continuer à flanc. Puisque si je continue là, difficilement, mais voilà, j'atterris quand même au château. Donc c'est parti, on continue. Regardez aussi ce que je viens de voir. Alors je ne sais pas si c'est naturel. Quoi qu'il en soit, on dirait une croix gravée. Ouais. Ouais, ça c'est naturel, ouais. Ouais, je ne sais pas. Hop. Ouais. Ça c'est naturel, mais quand même, quand on le voit de loin, ça peut porter à confusion. Regardez. Voilà. C'est quand même étonnant. Donc, bon. Voilà. Fausse alerte, mais quand même étonnant. Ça fait ouais, un peu le même genre que ces failles, en fait. Tout simplement. Hein. Mais être vigilant par rapport à ça, que si jamais on voit quelque chose de similaire. Voilà. Il faut toujours être. Donc on va se rapprocher de la veine, puisque là ça sert à rien de monter. Peut-être un peu, mais je vois pas l'intérêt pour remonter au château. Où j'ai le véhicule à perpète et les flots, donc si je remonte du coup le château, ça va être compliqué quoi. Ouais, ce genre de faille, on sait jamais. En passant devant, je donne un coup. Bon, allez, on se rejoint à la veine. Et du coup, on se rejoint à ces murs également. Je sais même pas où je suis passé. Là, parce qu'on se perd vite en fait. Faut faire hyper attention. Je crois que c'est là. Faire très attention à pas se perdre. Je viens de trouver un genre de pointe de flèche. Je sais pas ce que c'est. Un genre de pointe de flèche ou ouais. Parce que c'est creux à l'intérieur ici. Donc je sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est ouais, c'est ça, c'est attaché sur le bois, et je pense que c'est une pointe de flèche. C'est trop fin pour que ce soit une pointe de lance. À mon avis, c'est une pointe de flèche.
Voilà. Donc on redescend. Allez, c'est parti. Alors ici c'est magnifique, mais là je suis cuit complètement. C'est 4h30. Si je continue plus haut, ça va être compliqué. Il y a une carrière de la montagne quoi. Ah putain, c'est tombé. C'est là. Très compliqué aujourd'hui, franchement, très très compliqué. Un bout de cuivre, putain. Ça sonne aussi là, putain.
putain, mais c'est pas possible. Ah oh, punaise. Une toute petite pièce. Ah vite. Bon, on la grattera après. On trace. Oh, ça me va. Parce que là. Très très compliqué là. Il faut absolument. Il y en a d'autres. C'est obligé. Qu'est-ce qu'il y a à moi là? Ah, je vais voir en haut et je trace. Ah. De retourner. Je suis tout en haut en fait. Je suis perdu dans la brume. Je peux pas me permettre de retraverser la montagne pour revenir ensuite sur le chemin Qatar. C'est pas possible. Rome, c'est pas fin de jour. Très très compliqué cet explo. Très compliqué. Oh mais de toute façon, dès qu'on fait les rocs, là, ça devient... C'est très compliqué. Oui, on a le sentier quand même qu'on voit. Hein. Mais très compliqué, vraiment. Très fatigant. Regardez-moi ça. Il y a énormément de secrets encore à découvrir, mais le souci c'est qu'il faut y aller. Il faut pouvoir monter. Il faut pouvoir monter. Et surtout, le problème c'est monter après redescendre. C'est pas le souci. Excusez-moi, j'ai vraiment. Cette exploration est très très compliquée.
Ça fait plus de 8 heures que je marche. En tout. Là, vous entendez? On entend les aboiements. C'est les chevreuils. Ici, ils sont tranquilles. Personne ne vient les embêter. C'est surtout les sangliers qui me font peur. À faire très attention. Vous voyez, à perte de vue, là, il n'y a rien. Vous voyez bien où je suis. J'ai quitté le château. Ben, le château, en fait, est tout en haut. On ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est vraiment un roc presque imprenable, quoi. Rien n'est imprenable, mais vraiment là. Allez, on continue. Là, je pouvais pas venir avec mon petit homme. C'est pas possible, trop compliqué, trop dangereux. Oh. Je vous reprends tout à l'heure, les mecs. Bon, on est en train de descendre. Ça ressemble. J'y vois un peu plus clair. Puisqu'en haut. J'entends un animal. Vous entendez? Elle retourne là-haut. Je les ai dérangés. Ça me rassure parce que c'est pas des sangliers. J'imagine un sanglier qui vous prend grippe et qui vous fonce dessus. Ça va être problématique. Donc voilà, j'y vois un peu plus clair. Très exploration très compliquée aujourd'hui, puisque bon, dans ce genre d'exploration, quand on explore les rocs, on sait jamais ce qu'on va trouver. Voilà, il faut avoir de la chance, il faut tomber dessus. Mais bon, il y a quand même énormément d'histoires dans ce château, hein. Voilà, il y a énormément d'histoires, mais vous le savez, à force, vous me connaissez, à BLC Exploration, on essaye d'aller là où personne va, voilà, dans la mesure du possible. C'est pour ça que c'est très très fatigant, notamment les rocs. Quand on fait, quand on va à flanc de roc, rien que le fait de monter, voilà, vous êtes déjà flambé en quelque sorte, quoi. Vous récupérez petit à petit. Moi, je récupère, j'essaie de, voilà, de me motiver aussi. C'est très important. Il y a la motivation qui y fait beaucoup. Et toujours dans le voilà dans ce thème là rechercher le passé, rechercher les gens qui se sont cachés, etc. Et toujours ces traces des croisés qui sont venus, qui ont attaqué le château, qui ont encerclé le château, et Otoran qui s'est intéressé à cette histoire. Donc c'était pas n'importe qui, il était engagé par
Son employeur, c'était Heinrich Himmler, le chef de la SS. Donc, si on peut, si on a de la chance de retrouver ses traces, ça serait vraiment formidable. Voilà, ça serait vraiment formidable. Nous, c'est ce qu'on veut, puisque moi, je reviendrai avec mon fils, avec mon collègue. Faire les rocs avec mon fils, c'est très compliqué. On essaie de, dans la mesure du possible, de s'avancer au plus près. On avance au plus près les véhicules pour ensuite entamer la randonnée. Mais malheureusement, le roc n'est jamais pratiquement trop à côté de la route ou alors par des routes forestières, ce qui nous aide énormément aussi. Donc voilà, je redescends. Si je vous reprends pas, j'espère que tout ça vous a plu pour le premier épisode de de cette série Montségur sur les traces d'Otoran. Voilà, donc vous le savez, on ne trouve rien. C'est pas grave, on explore. On trouve, on trouve, on trouve pas. Voilà, c'est que le bonheur, c'est que du bonheur de vous faire partager tout ça. Et puis, je vous remercie aussi pour tous vos commentaires, pour votre soutien. Et bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Une exploration des plus difficiles. Un endroit très inaccessible, encore plein de mystères que personne n'est venu découvrir. Je suis allé au-delà de mes forces pour atterrir dans ce lieu où la brume nous emporte. La brume nous aspire tel un courant qui nous mène à la dérive. Des lieux cachés qui ne demandent qu'à être explorés afin de percer leurs secrets. Je redescends de la montagne à bout de force et nous reviendrons explorer cet aven mystérieux dont je n'ai pu descendre en espérant qu'il nous dévoile des secrets perdus, telle une étoile qu'on ne peut atteindre d'un lieu si obscur que toute lumière ne traverse.